Si, moi je connais pas des déportements. Ah oui, je fais l'exception à la règle. Non, je le connais. Il y a un gars, il y a 25 ans, qui est mon beau-frère aujourd'hui. Il chantait, on travaillait ensemble pour un agent de travail. On habitait ensemble. Et puis, il chantait « Wow, 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 ma petite Julie, c'est le nom de ma soeur. » Il était en amour avec elle, je dis « Cool! » T'es en amour avec ma soeur, oui, mais mariée. Je détestais mon beau-frère de l'époque. Et aujourd'hui, ben, ça fait 24 ans qu'ils sont mariés. C'est pour ça que je me rappelle de Dédé Fortin. Beau, 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 ma petite Julie. Puis aussi, la façon qu'il est parti. Hey! J'ai vu la façon qu'il est parti quand même. Hein. Moi, j'ai attenté 4 fois à ma vie dans ma vie, entre l'âge de 20 et 30 ans. Je suis encore ici pour en parler. Albi n'est pas là. Je vais un peu parler de son langage parce que j'ai écrit ça aujourd'hui. Puis je décris mon entourage. J'allais dans un bloc d'ex-itinérants qui s'en sortent. Ça s'appelle Club Social. Oui. Ma salle communautaire, lieu mythique. Presque urbaine, de philosophie insolite. Meublée de conversation essentiellement subliminale, visitée régulièrement par une douzaine de rescapés de la précarité de la rue. Enfant d'obésité du mensonge, je passe le temps à écouter ce cercle fou qui, malgré tout, ose semer l'espoir dans le noir profond que la bêtise inhumaine. Cette communauté salope, rebelle d'un bout à l'autre, elle n'est pas folle. La folie l'entoure. Merci. Wow.